Cecilia! Maman! Papa! Papa! Papa, s'il te plaît! Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, réveille-toi! Papa! Maman! Maman! Maman, s'il te plaît! Maman, je suis là! Maman, réveille-toi! Maman, s'il te plaît! Oh mon Dieu! Ah! Maman, s'il te plaît, réveille-toi! Maman, s'il te plaît. Papa Becky est là. Papa, papa, s'il te plaît. Papa. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, allez. Au secours. Maman, maman. S'il vous plaît, aidez-moi. À l'aide. À l'aide. De sortir les larmes de crocodile. Dis-nous ce qui est arrivé à tes parents. Même ta sœur. Il n'y a plus de père et il n'y a plus de mère. Même ta sœur. Et pourquoi fais-tu semblant avec les larmes de crocodile? Hein? Hein? Je suis trop avec ma sœur. Après tout, on a trouvé le cousin de notre papa là-bas assis. Agouzé, tel que tu es là, tu veux nous dire que tu ne connais absolument rien à propos de la mort de tes parents? Nous ne sommes pas convaincus. Et comment ça alors? En tout cas, il n'y a rien au hasard. Et comment ça peut se passer comme ça? Comment est-ce qu'une femme et son mari peuvent mourir au même moment? Et il n'y a pas d'explication à ça. En tout cas, je ne dis la vérité. Et tu dois maintenant nous dire ce que nous devons savoir. Je ne connais absolument rien. Juste ma soeur était là quand elle est sortie. J'ai trouvé la situation comme cela. Comprenez-vous? Si tu dis que tu ne connais absolument rien, c'est que tu mens. Et c'est clair que tu es en train de mentir. La vérité, c'est que les deux sont tous morts. Après, c'est ta sœur qui a rejoint. Et tu es là, tu dis que tu ne connais absolument rien. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Maintenant, le problème est que le couronnement est prévu pour le prochain jour du marché. Juste, seulement comme ça, non. Tu dois vraiment nous aider. Qu'on essaye de régler tout ça. Bien, tout ce que tu as dit, c'est une farce. Du mensonge. Tu as bien préparé tout ceci. Tu penses qu'on ne le sait pas? Ceci est une situation d'urgence. Oui! Comment puis-je tuer mes parents? Nous ne savons rien, toi seul sais. Mais c'est à toi de te poser la question. C'est ça. Mais c'est très simple. Tu te poses la question, c'est à nous de te la poser. Si tu connais quelque chose, vas-y, dis-nous. Mais monsieur, je ne connais rien. Ma soeur et moi sommes clés dans cette affaire. Tu vois, attends qu'on te dise. Tu vois, dans des jours, si tu ne nous dis pas la vérité, tu verras ce qui va arriver. Oh oui. Agouzé, tu verras ce qui va t'arriver. Voilà. Hein? Tu penses que nous sommes des enfants à qui tu peux faire tout avaler? Je pense que nous t'avons déjà tout dit. Et nous devons maintenant partir. Oh non. Partons. Oui, partons. Partons. Le monde ne cessera de nous étonner. Ils pensent que nous sommes des enfants. Hein? À qui ils peuvent facilement mentir? Ce n'est pas vrai. Hein? Ça ne marchera pas. Ils doivent nous dire la vérité. Vous devez faire tout votre possible pour que les hommes viennent nombrer ici. Je me suis fait comprendre. Oui, maman. Vous êtes des jolies filles. Vous devez être attirante envers eux. Voyez comment vous êtes intelligente. Vous devez être attirante, toujours attirante envers eux. M'avez-vous compris?
Essayez de voir si vous pouvez les séduire. Ça, ce sont des affaires. Viens ici. Amanda, viens ici. Pourquoi tu es en train de gâcher mes affaires? Je suis désolée, madame. Pourquoi quand un client te remarque et toi, tu es très stricte? Pourquoi? Je suis désolée. Et s'il osait toucher tes derrière, toi, tu te fâches. Es-tu folle? Pourquoi ne lui as-tu pas montré que tu es avec lui, hein? Hein? Écoute, si seulement l'une de vous fait en sorte que je perds un de mes clients, vous n'allez pas m'apprécier. Vous ne m'apprécierez pas du tout. Ah ah! Quitte ici, va... Va servir. Vous aussi, quittez d'ici. Les clients. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? Femme, ne vois-tu pas que je viens de rentrer? Hein? Laisse-moi libre. Je suis confiée avec tout ça. Hein? Ok, mon mari. Je veux que tu te calmes. Calme-toi. Comment s'est passée la réunion? Peux-tu imaginer Agouzé en train de nier qu'il les a tués? Comment peut-il nier? Nous les connaissons assez bien. Mm-hmm. Et pour confronter la situation, nous sommes en train de chercher sa sœur. Il n'y a nulle part où nous puissions trouver sa sœur à ce moment. Quand les deux peuvent mourir le même jour? La même question que nous lui avons tous posée. Et l'autre là a disparu. Si tu es d'accord avec moi, tu as posé assez de questions. J'ai faim, va me prendre à manger. Okay. Arrête de trop poser des questions. Ok, mon mari. Oh? Je viens avec. En tout cas, ces garçons ne cessent de nier. Hein? Ces deux parents sont tous morts. Tous morts le même jour. Hein? Comment peut-il continuer à nier pendant que sa sœur est introuvable en ce moment? Pourquoi est-ce que je suis le plus condamnable dans cette situation? Comment puis-je tuer mes propres parents? Et pourquoi est-ce qu'il fait chi a permis à ce que je puisse souffrir beaucoup comme ça? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Mais si elle est réellement morte, pourquoi est-ce que son corps n'est pas retrouvé? Les dieux des maisons ancêtres, venez en aide, je vous en supplie. Les anciens, le temps ne va pas continuer à nous attendre. Je ne pense pas que c'est nécessaire de continuer de cette manière. Oui. Exactement. Je suggère qu'on commence immédiatement. Mm-hmm. Tant que nous ne faisons rien, les mâles nous entourent et nous devons l'éviter sans effet. Essayons de parler de ces problèmes pendant que nous sommes tous réunis ici. C'est ça mon avis. Et on dit toujours qu'on va le faire. Quand il est chaud, laissez-moi vous demander. Qu'allons-nous faire face à cette situation? Qu'allons-nous faire? Tchè, Iche, Ikele, Mounou, Lienou, Mounou. Ce genre de choses, ça ne s'est jamais fait sur notre terre. Jamais! Nous ne pouvons pas tous être assis ici et les permettre d'aller juste comme ça. Cette rétribution des crimes, de ce décrime, ça ne passera pas sous silence. Bon, doit vraiment être puni selon la loi de notre terre. Ça, c'est un très bon. N'est-ce pas ça? DJ, mais comment allons-nous savoir la personne qui est responsable à ces crimes? N'est-ce pas ça? Comment peux-tu poser une telle question? Nous les savons tous. Comment? Nous les connaissons, ne les connaissez-vous pas? Hein? C'est qui ces gens? Nous ne les savons pas. Mais c'est la famille d'Agouzé. N'avons-nous pas des yeux pour voir? C'est la famille d'Agouzé qui les a tués. Oh, c'est vrai. Oui? Regardez, je n'aime pas marcher avec les gens qui font semblant. C'est dans la famille d'Agouzé, c'est là que nous pouvons trouver les tueurs. Et c'est tout à fait clair.
Richie, regardez. Hein? Ne nous permettons pas de prendre de conclusions en ce moment. Ne nous permettons pas ça. Je l'ai personnellement trouvé difficile à croire. Qu'accusais-tu ses propres parents? Non, ce n'est pas possible. C'est très facile, voilà que c'est arrivé. C'est arrivé. Pourquoi ne me demandes-tu pas plutôt pourquoi l'a-t-il fait? Richie, fais-tu le nom, non? Hein? Il a les yeux fixés sur le trône. Comme vous le voyez, il a deux ambitions. Il a l'ambition de devenir notre roi et aussi facilement. Si vous ne le voyez pas de cette manière, moi je le vois comme ça. Oh! Bien, mes anciens, ne restons pas ainsi et commençons à discuter l'un avec l'autre. Allons-y auprès du Ezemo, afin que le Dieu nous donne la vraie réponse. Je suis d'accord avec et toi. Et aujourd'hui même. Je suis d'accord avec toi. Oui, allons-y. Je ne suis pas contre aller chez les Ezemo. Mais si je peux demander, partons maintenant. Maintenant. Allons-y chez les Ezemo maintenant. Oui, partons alors. Femme, où es-tu? Je vais chez les Ezemo maintenant. Les anciens ont demandé que nous allions chez les Ezemo. Bien rapidement, allons-y, allons-y. Oui, j'arrive. Les dieux sont silencieux. Vous voyez? Oh, oh là. Ezemo, que veux-tu dire? Comment est-ce que les dieux ne peuvent rien dire? Ces choses ne sont jamais arrivées dans notre terre. Exactement. Et maintenant, tu dis que les dieux n'ont rien dit. S'il te plaît, dis-leur de dire quelque chose. S'il vous plaît. S'il te plaît. Si vous savez comment faire mieux, vous devez prendre sa place. Je peux même vous aider à prendre la place du Ezemo. Hein? Mais s'il est en train de faire la bonne chose, soutenons-les. Oh non. Hein? Au lieu de faire du bruit à tout moment, comme si ce que vous dites est assez utile. Oh non. Hein? Oh non. La situation que nous avons maintenant là nous préoccupe beaucoup. Les dieux doivent parler. Ils doivent, bien sûr, mais... Oh non, les anciens, tel que je vous ai dit, les dieux sont silencieux et je n'ai rien d'autre à faire ou à dire jusqu'à ce qu'ils diront quelque chose. Oui, bien sûr. Attendons que le dieu parle au bon moment. Ce que nous devons faire maintenant, c'est prier jusqu'à ce qu'il réponde. Je ne veux pas exprimer... mes suspicions face à cette situation. S'il te plaît, le dieu savent tout, le dieu peuvent tout dire. Dis-leur de nous parler. La situation est vraiment précaire. Mais comment sensible, le dieu doit parler ou supplier. Ils doivent parler. S'il vous plaît, attendons, patientons. Allô, bébé? Non, j'arrive. Tu sais, je ne peux pas te laisser voir. Quand est-ce que nous allons nous voir encore? Ok, j'attendrai ton signal. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, prends soin de toi. Salut les filles. Là, je vais sortir. Vous allez m'attendre jusqu'à mon retour et personne ne peut me demander où est-ce que je vais. La fille dangereuse, rentrez vite pour préparer. Bien sûr, je le ferai. T'inquiète pas pour ça. Reviens juste à temps et prends bien soin de toi. Ok. Ma belle, je pars dans ma chambre pour arranger mes histoires. Je vais retourner après. Ok, d'accord. Oui. Tu as cru que tu es intelligente. Maman, tu es là. Je suis au marché. Tu penses que tu vas jouer avec mon intelligence? Non, maman, non. Donne-moi l'argent qu'il t'a donné. Quoi, l'argent? Il ne m'a pas donné l'argent. Donne-moi l'argent! Maman, je n'ai pas d'argent, je te dis. Il ne m'a pas donné l'argent. Juste le travail que je t'ai venu faire.
Tu sais combien je hais me répéter. Oh, maman, il ne m'a pas donné l'argent. Ramasse ce sac. Maman, il ne m'a pas donné l'argent. Donne-le-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Voici pour vous une information. Les anciens vous ont lancé une invitation à un rassemblement au coin du village. Que ce soit papa, maman ou enfant, nous sommes tous invités au rassemblement au coin du village au nord, Caribeyao. Mon ami. Hein? Mon ami. Mon pote, tu as entendu ce qu'il a dit? Que viens-tu de dire? Tu étais là. Je dis qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as vu double. Tu as deux yeux ou un œil. Ok, je crois que tu as quatre yeux. Et tu ne sais pas, tu as vu un homme. Si je te dis de prendre un peu de l'alcool pourvu que tes sens deviennent normal et calme. Non, mais s'il te plaît. Regarde, toi. Tu as les yeux d'ivrogne et caché dans la paupière. C'est ça. Si tu apportes ce genre de yeux flou au terrain, on va te chasser. On va te chasser. Tu ne m'accordes pas de respect, toi. Quitte-la. Tu ne m'accordes pas de respect. Tu... Après tout. Ils ne savent pas. Pour ce village. Ils ne savent pas. J'aime même ça. Si... Même si nous demandons à tout le... membres de ce village, ils diront que tu n'as pas le niveau. Ton niveau est inférieur. Nous avons des tâches à faire dans ce village. Tu n'as rien. Tu as un niveau inférieur. Si je parle, si je parle, tu vois flou. Je vais te taper. Tout ce que tu as, c'est flou. Très flou. Il disait, je descends ton niveau pour que tu comprennes. Il avait dit, nous serons ensemble. Tu continues encore à avoir flou. Mais j'ai pitié de toi parce que tu es mon ami. Je vais tellement te dire. Il avait dit nous serons ensemble à la place publique du village. Pour que. C'était une personne qui le disait. Parce que. Je ne sais pas pourquoi il disait que nous sommes là, mais je sais qu'il va nous inviter une personne importante. Pour nous parler. Une personne importante. Est-ce que tu connais réellement celui que l'on va sacrifier si cela concerne du sang humain à la fois? Quelle raison, mon frère. Allons-y. Ce n'était pas pour ce village. Nous avons un niveau maintenant, non? Nous avons un niveau. Oui. Mais ne joue pas avec moi. Ils sont déjà là, mon frère. Nous sommes tous présents. Hey! Ici. Hey! De l'autre côté. Hey! Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi nous sommes réunis ici. Je crois que... Nous savons tout ce qui se passe dans ce village. Et il est toujours mieux de réunir tout le village. Nous essayons d'avaler l'os qui nous est mis dans la gorge par nos ennemis. Il est temps de faire l'essentiel. Où se trouve Agouzé? Est-il là? Oui, Agouzé est là. S'il te plaît, Agouzé, avance un tout petit peu. S'il te plaît, avance un tout petit peu. Tout notre peuple. Hey! J'ai besoin d'entendre tout le monde. Hey! Agouzé. Ce que nous te demandons de faire est très simple. Écoute. Dis-nous tous maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents et à ta sœur? Tes parents et ta sœur. Hey, mon Dieu, Arrête de faire semblant. Pourquoi es-tu en train de faire semblant? Arrête de faire semblant comme si tu ne savais rien. Hein? Comme tu nous vois tous là, nous sommes tous au courant. Pourquoi es-tu en train de faire semblant? Agouzé, dis-nous, qu'est-ce qui est arrivé à tes parents et à ta sœur? Ok. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes parents. Je n'ai pas non plus une mainmise dans leur mort. Je ne sais pas non plus, je n'ai rien du tout sur la disparition de ma sœur. Omar Akakwen, yo, Newen.
à causer. Alors, dis-nous, qui les avait tués? Sais-tu que jusque maintenant, les dieux n'ont rien dit? Hein? Et ça nous surprend. Ah, ah! Dis-nous la vérité pour trouver la solution à ces problèmes. Ah ah! Allez, sommes-nous tous présents? Ici, ici, de l'autre côté. Écoutez-moi bien, il n'y a pas du temps à perdre. Il n'y a pas du temps. Nous devons statuer sur les règles. Les règles du conseil entre le grand prêtre et les autres anciens. Une ligne pour nos traditions et coutumes. Ou c'est là qui commet l'abomination. À cause, quelques années avant nous, la sentence était l'excommunion de notre Dieu. Oui! À cause, il ne va pas vendre. Il ne va pas acheter. De chez n'importe qui. Il ne va même pas partager ses objets avec quelqu'un d'autre. Et celui qui ose aller contre ces règles, cette loi lui frappera sérieusement. Oh oui! Et la sentence, c'est devenir un paria sur cette terre. Étranger. Vous, ses amis, je crois que vous avez très bien entendu. Osez, qu'on vous voie encore à ses côtés. Oh non, je crois que tout a déjà été dit. Et maintenant, allons-y. Il ne mérite plus. Il ne mérite plus d'être membre de cette terre. Nous devons maintenant partir. Partons. Partons, partons. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est comme ça? Dis-moi quelque chose. Amaka, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, dis quelque chose. Tout le monde dans ces villages croit que Agu, mon ami, est celui qui a assassiné sa propre sœur et ses parents. Mais pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Fetch aussi est mort. Ferme-moi ta bouche là. Quelque chose en moi me dit qu'elle n'est pas morte. Si vraiment elle était morte, on allait voir son cadavre. Je suis si confus. Que disent les aînés à propos de ça? Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Dis-moi. Mais j'ai été surpris de leur jugement. Ils ont déclaré à Gouz et mon ami un paria. Hey! Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont un tel jugement? Et pourquoi les dieux restent silencieux? Pourquoi? Amaka, je suis perdu. Je ne sais pas quoi dire. J'ai vraiment pitié de lui. Seul le dieu sait ce qu'il endure actuellement. Je me sens aussi mal pour lui. Agouze est mon ami. Un très bon ami. Ce n'est pas du tout gentil. C'est vrai, c'est pas juste. C'est pas juste. Vraiment. Laisse-moi chercher quelque chose pour toi, pour que tu me... C'est bon alors. Jay, je pense qu'il est vraiment perturbé. Le prince de notre royaume. Je souhaite l'aider, mais les anciens vont m'en vouloir pour ça. Si je rentrais à la maison, je vais en parler avec mon frère. Je pense qu'il trouvera une solution pour l'aider. Grand frère, tu sais qui j'ai vu? Je vis ton ami Agu. Il était très inquiet. J'ai vraiment eu pitié de lui. C'est ce que moi j'ai ressenti. Agouzé. Que pouvons-nous faire pour l'aider? Je sais qu'il doit avoir énormément faim maintenant. Et d'ailleurs, il ne va plus à la ferme. Je sais qu'il doit avoir énormément faim.
Et que penses-tu si tu allais chez lui cette nuit? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je vais préparer quelque chose. Adizé, il ne va plus à la ferme. À cet instant, il a besoin de moi. C'est vraiment ça. Je pars préparer quelque chose. Ok. Agouzé. Personne ne croit à Agouzé dans cette communauté. Bon après-midi. Amanda, Amanda, tu es tellement belle. Vraiment, j'aime ce que je Merci, vois. Monsieur. Chai. Amanda, Amanda. Vraiment, ça c'est bien. Mon client. Madame Lucie, Lucie. Mon client. Madame Lucie, femme d'affaires. Oui, oh, tu peux le dire encore une fois. Je remarquais la façon dont tu regardais ma fille. Tu regardais ses derrières. Madame Lucie, tu sais qu'elle est très belle. Elle porte la charge. Elle porte Je vraiment sais. La charge. C'est vrai. Mais c'est vrai. Elle en a. Elle a vraiment un gros bassin. Mais tu sais que tu peux vraiment la voir. Tu sais la façon dont elle te sert ici. Hein? Oui. Elle peut aussi te servir là-bas, non? Je peux confirmer que je l'aime et j'ai besoin d'elle. Mais je ne sais pas si elle va m'accepter. Est-ce qu'elle a le choix? Tu es sérieuse? Elle n'a pas le choix. Peu importe les décisions que moi je prends, c'est ce qui reste. Ah, Madame oui, Lucie, Lucie. Ça, c'est moi. Es-tu sérieuse? Mais le problème, il faut payer. Et Madame Lucie ne parle pas ce qui concerne l'argent. L'argent n'a pas de problème. Tu sais, non? Comme on a toujours dit, l'argent à la main. Le corps m'appartient. C'est bien Mais ça. Mais oui, je sais comment ça fonctionne. Ne t'en fais pas, je te verrai avant de partir. L'argent n'a pas de problème. T'es mon client, va arranger. Ça a été toujours comme ça, je sais. Tu as de belles filles. Merci. Oh, tu Mais c'est ça, non? Tu es une femme d'affaires. Madame Lucie. Ah, elle n'a pas ouvert ça. Non, elle ne l'a pas fait. Tu l'as embrayé. Laisse-moi partir. Elle a demandé. De C'est bien. Ouvrir. Madame Lucie, Lucie. Ah, ah. Bonjour, monsieur. J'espère que la boisson. Oui, je suis en train de prendre ma bière. Amanda, Amanda. Monsieur. Tu es vraiment une belle fille. Vrai, J'aime ça. Ce que je vois. J'aime cet ange. Ça te plaît? J'aime ce que je vois. Cela se passera comment? Ça, ce n'est pas un problème. Mais tu dois parler d'abord. Ah. Oui. Es-tu sûr? Oui, Chai, Amanda, Amanda. Tu as une très belle taille. C'est la taille préférée. Oui. Amanda, Amanda. Monsieur. Ne t'inquiète pas, je te verrai après. Ok, monsieur. Chai, Amanda, Amanda. Tu es une belle créature. Rassure-toi que personne ne te voit. Ne permets à personne de te voir. Tu dois être rapide okay, et bon. Reviens ici Je immédiatement. Amaka? Oui, je suis là. Et c'est très dangereux que tu sois venue ici. Non, 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 non. J'étais vraiment prudente, ok? Il n'y a personne qui m'a vu entrer ici. Mon frère m'a envoyé vers toi pour te donner à manger. Merci. Est-ce que tu t'es lavé? Oui, j'ai utilisé ce que m'est resté. J'irai prendre okay. après. Ne t'en fais pas, ne te dérange pas. Je vais t'épouser de l'eau demain, ok? D'accord. Okay. Que les dieux de notre terre puissent te bénir. Hein? Je viendrai te voir de temps en temps, ok? Prends soin de toi. Mon fils, c'est la situation que nous avons trouvée là-bas. Une atmosphère de moquerie. Une atmosphère qui sent mauvais.
Tchai, papa? Hein? C'est dommage. Vraiment? Comment vraiment Agus peut être si méchant? Comment Agus peut être si méchant pour parvenir à tuer ses parents et sa sœur? Nous tous, on ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ce n'est pas du tout bien, papa. Ce n'est pas vraiment du tout bien. C'est tellement mauvais. C'est très mauvais. Ça ne se fait pas. Inimaginable. Quelle méchanceté! Ce n'est pas du tout bien. Après avoir tué tes parents, tu as encore suivi ta sœur. Il y a beaucoup de choses qui plaisent aux yeux. Vous avez raison. En tout cas, tous ces problèmes demandent une enquête approfondie. Je ne suis pas content de laisser de cette manière. Abomination. Oui, c'est bien que nous avons déjà organisé un bannissement. Comme ça, c'est bien. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Il y a quelque chose qui va mal quelque part. La raison pour laquelle nous devons encore mieux enquêter, c'est pour que nous évitions que la situation se répète dans le futur. Vraiment, il mérite ce qu'il a eu, papa. Il le mérite. Il le mérite, papa. Hey! Ah oui, mais... Pourquoi être si méchant jusqu'à tel point de tuer même ses parents? Vous le verrez aller à l'étranger et au retour apporter beaucoup de choses. Comment est-ce qu'un enfant peut tuer ses propres parents? Et il est allé jusque chez sa sœur. Papa... Ce n'est pas vrai. C'est incroyable. Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça. Non, mais dites-moi, comment est-ce qu'un enfant peut se permettre de tuer ses parents? Hein? Papa. Je vais faire un peu un tour dans ce village. Je reviens bientôt. Et mon fils, sois prudent. C'est ça. Sois éveillé. Je le serai. Les gens sont terribles et méchants. Et surveille toujours tes arrières. Je commencerai à regarder de gauche à droite. En tout cas, il ne faut faire confiance à personne. Si on ne peut plus faire confiance à son propre sang, tu ne dois pas te faire d'amis. Je ne veux pas que tu ailles écouter n'importe quoi. Regarde comment il est en train de dormir. Lève-toi comme ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Pendant que tu es en train de dormir, il y a d'autres qui sont en train de chercher à collecter de l'argent de l'autre côté. C'est clair que vous n'êtes qu'une bande de stupides. Tu es plus stupide que nous. En quoi tu n'es pas venu avec une bonne somme? Ils sont en train de partager l'argent. Combien et tu es ici. En train de partager? Si c'est ta question. Tu me poses la question d'examen. Hein? Partons prendre notre part là-bas. Ne voyez-vous pas que vous êtes assez vieux pour ce genre de bêtises? Et c'est pourquoi vous êtes venu me déranger? Donc tu veux dire que c'est pas une bonne raison? Juste parce qu'ils partagent un peu d'argent? Regarde, je n'aime pas... Deux grands, deux adultes comme vous, mes chers. Juste parce qu'ils partagent un peu d'argent. C'est pourquoi vous êtes venu me déranger? Ne t'en fais pas, c'est une erreur. Ce type va mourir pauvre. Combien est-il en train de donner? Mon cher, laisse-lui partir. Partons prendre notre part. Non, venez, attendez, revenez. Tu penses seulement qu'on s'aventure avec nous? Donc ils sont juste venus me déranger, juste à cause de l'argent. Voilà un peu ces adultes. Même pas, oh. Je sais que c'est mon frère. Chemin, on se verra après, non? Moi, je pars par ces chemins. Depuis que tu as commencé à prendre ces chemins, c'est la route de chez toi. Attends, mais caches-tu quelque chose? Même pas. Tu es ma copine. Tu connais cette vieille dame-là? Qui habite au coin du village? De quelle vieille dame que tu parles? Moi, non. Celle qui avait connu un accident avant-hier. Oui, je la connais. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire avec la question que je t'ai posée? Je pars hein, chez elle. Je l'amène très tôt et puis je vais l'aider avec quelques travaux. T'en fais pas, je vais te voir après. Waouh! Incroyable, vraiment. Thank you.
C'est qui ça? Et que fais-tu à cet instant de la nuit? Et qui t'a demandé de venir ici? Hein? Je t'en supplie, va-t'en, quitte ici. Je ne veux pas qu'on vienne te trouver à cet endroit. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Je sais que tu ne vas pas me croire. Mais la vérité est que... je n'ai pas où partir. Je suis fatiguée de tourner, cherchant où rester. Je ne sais pas quoi faire pour toi. Si je te permettais d'entrer, je quitterais ce boulot. On me demandera de partir. Si mon boss me voyait, il va me dire de quitter. Je t'en supplie, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Permets-moi de passer juste une nuit, s'il te plaît. Et demain matin, je vais continuer mon voyage, je t'en prie. Oui. Tu as dit que je t'accorde. Juste une nuit. Demain matin, je veux partir. Et que demain, très tôt matin, tu t'en iras? Tu es sûr que tu t'en iras? Juste ça. Et que tu ne me causeras aucun problème? Oui. Hey! Attends d'abord que je revienne. Si seulement je te dis, c'est en ce moment que tu pourras entrer. Est-ce que tu m'as entendu? Merci. Parti. On s'était convenu que très tôt matin tu allais partir. Ce n'était pas ça? Je voulais juste t'aider en balayant la parcelle pour que ça ne pèse pas sur toi. Toi m'aider? Tu penses que j'ai besoin que tu m'aides? Je t'en supplie. Regarde, si c'est moi j'ouvrais mes yeux, je ne vais pas te voir là devant. Je veux que tu partes. À l'intérieur? Où? Attends. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame, s'il vous plaît, j'ai non, peur, non. Attends une minute. Ne me dis pas que tu as engagé quelqu'un dans ma parcelle, sans pour autant que je ne le sache. Madame, je vous en supplie, je peux m'expliquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, c'était de ma faute. Je vais vous expliquer. Quelle explication as-tu à me donner? Tu es déjà dans ma parcelle. Avec les balais à la main, en train de balayer. Attends un peu. Combien de temps a-t-elle dormi dans ma parcelle? Oui, madame. Non, madame. Madame, je vous en supplie. Madame. Vous savez que je ne peux pas vous mentir. Si c'est moi, j'ai menté, que la foudre s'abatte sur moi. Et que tout mon village brûle. Tu peux la fermer? Allez-toi, sors d'ici. Hey! Ah, ça c'est quelle bêtise ça! Si seulement ça s'est reproduit encore, tu vas perdre ton travail. S'il vous plaît, maman. Va à ton poste de malheur. Oui, maman. Excuse-moi. Ramasse-moi ça. Ah, ah. C'est quoi cette affaire? Madame, s'il vous plaît, je suis prête à tout faire pour vous. Je peux tout faire pour vous. Après avoir écouté ton histoire, je suis choquée. Je décidais de t'offrir un boulot. Ah! Oh mon Dieu! Madame, merci. Merci énormément. Oh, oh. Merci. Ça va, c'est fini. Je promets de travailler très durement. Je le ferai. Oh, merci. C'est bon. Je vais t'amener dans ta chambre, ok? Merci. Et...
Ichaka. Mm-hmm. Tu sais, j'étais allé dans la maison de Mazerogu. Son fils, Akuada, il est revenu avec beaucoup de bonnes choses pour tous les membres du village. Je n'étais pas là, mais ma femme et mes enfants étaient tous... Et tu sais quoi? Ils sont revenus avec beaucoup de choses. Les chaussures, les habits, beaucoup de choses venant de cet étranger. Et cet homme-là sera un très bon homme pour nous. J'ai beaucoup pensé. Tu sais que c'est Aguada. Est une très bonne personne. Il est bien éduqué. Et il est un homme riche. D'ailleurs, je lui fais confiance. Je sais qu'il peut faire mieux. Tu sais quoi? La fois passée, et j'étais vraiment embrouillé. Je ne pouvais pas dormir. J'étais vraiment en train de réfléchir. Et tu sais que si Akumurata devenait le roi de cette communauté, laisse-moi te dire qu'on sera sauvé. On sera vraiment sauvé. Il va vraiment construire des grandes choses. Il va donner à nos fils des bourses. En fait, il sera le meilleur roi. Maintenant, tu es d'accord? Non, mais tu as rejoint mon camp. Hein? Lors de la prochaine réunion, nous devons ramener ce sujet afin que nous discutions sur ça. Idiot. Il sera le prochain roi. Idiot. Hein? Nous devons faire ça. Parce que je crois que tu sais déjà comment ça se c'est passe. C'est exactement tout ça. Oui, c'est ça, bien c'est sûr. C'est exactement ça. Idiot, nous te saluons. Merci. Nous sommes venus chez toi pour discuter un tout petit peu. Idiot, tu sais que nous avons passé beaucoup de mois sans avoir un roi. Cette communauté a besoin d'un nouveau roi. Nous ne pouvons pas rester sans roi. Ichi, si je peux ajouter un tout petit peu à ça, Ichi. Nous avions beaucoup pensé à propos de ces postes vacants. Nous devons occuper ce trône maintenant par quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui a de l'expérience et très bien éduqué. C'est aussi important, quelqu'un qui porte ce village dans son cœur. Nous sommes allés chercher par-ci, par-là, nous sommes allés partout, dans tout le coin de ce village. Mais la lumière ne fait que tomber sur ta maison, Ije. Dans ta maison familiale, tout ce que nous recherchons se trouve ici. Oh non, vous m'aviez convaincu, mais comment Ije, dans ma maison? Il n'y a aucune autre personne. Si ce n'est que ton fils, Akuata. Au moins, il s'est encore marié à une... très très belle femme. J'allais dire, quand elle se tient debout, à côté du Igwe, lorsque ton fils deviendra le Igwe, nous serons fiers de notre Igwe et sa femme aussi. Tu vois, c'est de ça que nous sommes venus. Donc, parler. Vos yeux sont tombés sur ma famille. Oh non, c'est bon. Qui s'est marié? Il s'est marié à qui? À sa femme, elle est belle. Et tiens, nous parlons de cette communauté. Vous êtes amusant. Vous êtes tous deux amusants. Vous êtes tous deux amusants. Oui. Ok. Je ne vois rien de mal dans votre opinion. Ok. Je parlerai avec mon fils. Et une chose que je peux vous assurer, c'est que je vais essayer de le convaincre afin de prendre cette robe. Comme vous l'aviez dit, qu'il a une femme très bien éduquée. Vous savez que ces derniers, quand les gens deviennent igwe ou aisés, ils s'assurent qu'ils ont des très bonnes femmes. Oui. Alors s'il y a aussi une tâche qu'il faut aussi pourvoir, il faut qu'il y ait une personne qui soit la voix des femmes. En tout cas, c'est ce que nous sommes la voix des femmes. Oui, c'est vrai. J'aime aussi le fait qu'elle est vraiment élégante. Elle est vraiment élégante. Elle est élégante. Je vais tout faire pour faire accepter mon fils de prendre ce trône et de prendre aussi cette femme comme épouse. C'est ce que vous devez faire maintenant, c'est de prendre les opinions de tous les anciens dans toute la communauté. Oui. Pour voir si le raisonnement est le même. Et une fois que c'est le même, pourquoi ne pas convaincre mon fils d'arrêter de faire ce qu'il fait afin de servir toute cette communauté? Tu sais, Ichi, nous sommes venus comme des hommes, afin de dire, lorsque nous allons venir, prends bien soin de vous. Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, accepter ça d'abord? Non, c'est bon déjà, c'est bon. Si seulement je savais que vous alliez venir,
J'allais prévoir mieux que ces noix de cola, mais aujourd'hui, prenez-les quand même. Je crois aussi que vous savez ce que nous allons faire. Il est important que parlez vous parlez avec les autres aussi. Hein? Oui, merci. Moi Jay. Aussi, j'essaie de convaincre mon oui, fils. Jay. Merci. Mais je sais que tout s'est passé déjà. Merci. Okay? Hein? Oui, tout va bien. C'est juste que je me sens comme l'homme le plus heureux de la terre. Naïo. De voir mon fils qui a une très belle femme. Vraiment. La communauté nous a d'une manière ou d'une autre annoncé que nous sommes une famille spéciale. Hein? Oui. Vous savez tous que nous sommes en train de chercher un nouveau roi. Et les anciens ont décidé que le roi doit sortir de ma famille. Oui. Et au nom de mon fils, Akuwata. Donc je serai la mère d'un roi. Alors, hein? j'ai apporté cette petite bouteille pour la célébration de cette annonce. Je ne savais pas que la communauté nous préférait autant comme ça. Hey. Alors, Akuwata, ils ont dit que c'est toi qui dois devenir le nouveau roi de notre communauté. Et que peux-tu dire par rapport à ça? Papa, je vis le champagne. Je l'ai vu et je sais que vous célébrez. Oui. Oui. Mais papa, c'est une bonne nouvelle. Oui, la façon dont vous agitez. Oui. Je suis très content pour ça. Mais papa, sache que ce n'est pas ça la raison avec laquelle je suis venu. Je vais dire que c'est inacceptable. Je ne l'accepte pas. Je ne peux pas accepter. Attends. Ah. Que veux-tu dire? Ne déçois pas ta communauté qui a placé sa confiance en toi. Tu peux imaginer. Regarde-moi cette déception. Ce n'est pas ça. Regarde-moi ta femme. Hein? Actuellement, ce que les gens veulent dans la communauté, c'est que le roi parte et que la reine suive. Hein? Et ça doit être différent. Hein? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Voilà que tu as une chance. On t'a choisi comme le roi, mais la détruis pas. Comment vas-tu? C'est toi qui as tout nettoyé comme ça. Oui, ça va. Écoute-moi, Oko. Hein? J'ai une question à te demander. Tu veux me poser des questions? S'il te plaît. Que ce ne soit pas des questions compliquées, sinon je ne saurais pas. Et alors à propos du mari de madame et ses enfants? Hey! C'était ça la question? Je ne sais même pas par où commencer. Et je ne sais même pas quoi dire. Mais je peux juste dire un tout petit peu haut. Le patron était tombé malade il y a quelques années passées. Et puis il était mort. Il n'y a que madame qui est dans cette maison. Tout le monde dit que le patron était très méchant. Il vivait avec 5 femmes. Et madame avait pris cette parcelle après sa mort. Elle a aussi d'autres investissements à Abuja. C'est comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est. Elle a aussi beaucoup de terres lui appartenant. Ma prière de tout le jour, c'est qu'un jour, elle accepte de me donner, ne serait-ce qu'une parcelle. Mais je te dis, hein, ce n'est pas du tout facile. Hein? Hé, hey, es-tu sérieux? Madame a beaucoup d'argent. Hé, hey, vraiment? Crois-moi, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Madame a beaucoup d'argent. Oh, attends. J'ai compris que c'est la nourriture que oui, tu demandes. Oh. Là, tu as très faim, hein? Quand est-ce que tu vas me l'emmener? Va d'abord là-bas, non? D'accord, je m'en vais. Laisse-moi d'abord terminer, mais je viens te donner. Tu vas m'amener à manger, hein? J'attends, hein? Madame, je finis de dresser les lits. Vous pouvez aller dormir. Ok, merci.
Viens. Hé, hey, madame, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Ne me chassez pas. Non. Tu n'as rien fait de mal. Assieds-toi. Merci, madame. Il y a des choses importantes. Je voudrais qu'on en parle. J'ai réfléchi sur ça et j'ai conclu. Voilà pourquoi je veux te le dire. Tu m'as prouvé que tu es une bonne fille et je sais pas si tu voudrais que je t'adopte comme ma fille. Oh oui, maman, oui, je le veux, oui, je le veux. Comme tu as sauté de joie, je devine que c'était oui. Merci, madame. Ok, tu sais, je perdis mon mari, tous les enfants que j'avais l'année passée. Et pendant ce temps, j'étais incomplète. Jusqu'à ce que tu viennes dans ma vie. Tu as prouvé que tu es une bonne fille. Tu m'as apporté énormément de la joie et la lumière. Et laisse-moi te demander si tu aimerais que je devienne ta mère. Oui. C'est bon. Oui, maman. Êtes-vous sûre de ça? Oui. Mon avocat viendra demain matin. Et par là, tu vas signer les documents nécessaires. Waouh! Waouh! Ah! Je suis tellement contente, maman. Merci beaucoup. Je suis très contente. Merci, vraiment. Merci. Merci. Merci à toi aussi. Merci. Chioma, pourquoi tu traînes les pas comme ça? Je te l'avais très bien dit que je dois préparer avant que ma maman soit de retour. Ma belle, je suis fatiguée. Tu peux marcher, je suis derrière toi. Que fatigue là sans devenir suspect. On dirait qu'il y a anguille sur roche. Que veux-tu dire? Que veux-tu insinuer? Arrête tes histoires. Écoute, en tout cas, je n'ai rien dit. Mais ça finira par se savoir. Pardon, allons-y, arrête de beaucoup parler. Ok. Je suis désolée, Prends ces sachets. Et à toi à l'intérieur pour que tu prépares, ok? Ah, tout ceci? Oui, à manger. Tout ce dont tu auras besoin pour préparer à l'hiver, ok? Je rentre très vite, on se revoit après. Hé, maman, as-tu parlé à ton mari au sujet de trône? Maman, j'avais vraiment fait de mon mieux pour lui parler à propos de ça. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Mais pour le moment, je suis fatiguée. Aïe! Ce garçon ne va pas me tuer. Il doit accepter le trône qu'il le veuille ou non. Parce que je suis impatiente de devenir la mère du roi. Il doit l'accepter. Il est faux. Mon mari est vraiment ensorcelé, je vous dis. Oui, maman. Je ne sais plus quoi faire vraiment, je ne sais pas. Je crois juste et je prie Dieu c'est mort pour lui. Vraiment. Il va accepter. Tu sais, il est tellement têtu comme son père. Tu sais, je ne parle pas. Je suis là tranquille. Maman, parce qu'on ne peut pas laisser cette opportunité nous passer seulement comme ça, non. Oh, ça ne va pas nous échapper. Aie confiance à ta belle-mère.
Je ferai de mon mieux pour qu'il l'accepte. Il va l'accepter. Tu seras ma reine. Tu seras ma reine, tu le sais. Il va l'accepter. Il va l'accepter. Juste pour que tu aies confiance en ta belle-mère. Il va l'accepter. Je vous fais confiance. Maman? Oui, mon fils. Je partage votre opinion. Comme tu me vois. Je l'ai dit. Et maman, laisse-moi te dire. Vas-y. J'ai décidé d'accéder à ce trône, maman. Que le Dieu de mes ancêtres soit loué. Oui, il sait. Je suis tellement, tellement heureuse. Mon fils. J'accepte. C'est vrai ça? J'accepte. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Tu sais, mon oreille est tellement ouverte avec ce que tu viens de dire. Maintenant, là, je pars dire à ton père. Et ton père ira dire aux anciens pour qu'ils sachent quand te couronner. Je l'ai décidé. J'accepte. Je te dis. Donc, je suis maintenant la maman du roi. Oh, mon Dieu. Ça, c'est ce que je voulais. Hey, Obiano, mon fils, le roi. Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, maman. Je suis la mère du roi. Ah, je lui dirai. Tu es fâchée contre moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère? Quoi? Je suis désolée, c'est pour ce qui s'est passé. Je suis désolée alors, désolée. Je suis désolée, non, Duni, mon ami. Désolée. Tu ne vas plus le faire. Je te promets. Tu me promets. Je promets. Ok. Ma copine. Tout le monde ici présent, est-ce que vous m'entendez? J'ai dit tout le monde ici présent, est-ce que vous m'entendez? Je suis venu pour vous annoncer que mon fils Akwanta a accepté. Il a accepté d'être le roi de notre royaume. C'est ça être un homme, il faut ça. Un homme c'est comme ça, il faut toujours se décider. C'est une bonne nouvelle. Ça c'est bien ça, il a bien fait. C'est une très bonne nouvelle. Le chef Martin vit au numéro 13 Avenue Aouzé, bloc 6. Je veux que tu ailles là-bas et que tu lui fasses plaisir. Il te donnera un mot de passe, tu me l'amènes. Ok, madame, je ferai ce que tu as dit. Ok. Rappelle-toi, comme je l'ai dit, ce mot de passe-là est très important pour moi. Ne permets pas qu'il te touche sans t'avoir donné le mot de passe. Ok, madame. Mais, madame, j'espère que sa femme n'est pas aux environs. Parce que je ne veux pas de problème. Je ne veux pas que quelqu'un me casse la figure. Tu peux la fermer? Ferme-moi cette bouche. Qui es-tu pour me poser des questions? Ton boulot est que tu ailles là-bas les réjouir. Et tu me ramènes les mots de passe, tu n'as pas posé des questions. Désolé, maman. Il y a qui l'enterre du drame, qui connaît sa capacité. Vas-y. Oulo, reviens. Il faut t'échanger. Mets quelque chose de très sexy. Ok? C'est bon. Linda, je disais que notre madame ici n'est pas vraiment très gentille. Est-ce que tu as constaté ces incompréhensions? Elle ne fait que dire des choses qui n'ont pas de sens. Peux-tu imaginer qu'un client est venu ici demander ma mère en mariage et elle est contre ça? Tu es sérieuse? Oui. Cet homme est très méchant et je m'en prendrai à elle. En finir avec lui. Comment penses-tu le faire? Je veux détruire son business et ouvrir le mien. Tu es vraiment sûre? Tu m'as bien compris. Ne le dis à personne. Ok. Alors, sans doute, tu es déjà prête pour le faire? Je m'en prendrai à elle. Ne le raconte à personne, s'il te plaît. Akouzé. Non. En tout cas, je suis très très prudent. Je suis venu te déposer quelque chose.
bienvenue. Oui. Est-ce que tu vas bien? Ah, on est là. C'est juste qu'on est en train d'aller vers la mort. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour toi. Et c'est le soir que je partirai. J'ai emmené un peu de nourriture pour toi. Ah. Comment sais-tu que j'avais faim? Mais bien sûr, je dois le savoir. Tu es mon ami. Ouais. Merci. Akuzé, je me suis rappelé. Le prochain roi a été choisi. Vraiment? Oui. C'est qui ça encore? Ichiobi, ton oncle. Les fils d'Ichiobi. Ah, d'accord. Félicitations à lui. Accorde-moi un peu de temps que je mette ça à la maison. Amaka? Bonjour. Où est ton frère? Ah ah, je vous vois très fâché comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de problème. S'il te plaît, réponds à la question. Ne vaut pas du temps pour ça. Il n'est pas là. Il n'est pas là? Ah, c'est vrai, non? Je t'avais dit. Je l'ai vu avec la nourriture aller chez Agouzé, hein? Non, ça ne peut pas être possible. Il ne peut pas faire ça. Comment tu peux inventer les choses comme ça? Il m'a dit hier soir qu'il ira à la maison maternelle. Il devait sortir ce matin. Et d'ailleurs, la nourriture qu'il a, c'est pour notre grand-mère et non pour Arundé. Es-tu sûr? Très sûr. Très sûr. Tu parles beaucoup comme le quoi. Ok, pas de problème. Quand il va revenir, dis-lui que nous étions venus le chercher. Est-ce que tu comprends? Au revoir. Si vraiment il l'a vu, ça devient très dangereux. Je dois lui informer pour qu'il soit vraiment... Grand frère, tu es de retour? Je pense que tu n'as pas fini toute la nourriture. Ça va un peu... Tu n'as pas fini? Laisse-moi t'aider à aller rapidement. Grand frère. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis étaient venus ici te chercher. Ils étaient venus me chercher? Bien sûr. Pourquoi vont-ils alors me chercher? Ils disent qu'ils t'ont vu aujourd'hui, avec la nourriture, partir vers la maison d'Agosé. C'est comme si ses amis essayent de me surveiller. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Je les ai dit que tu es parti dans la maison maternelle pour ramener la nourriture à notre grand-mère. Mais grand frère, on s'était dit d'être très, très prudent. Parce que tu sais, si on nous voyait, on va nous amener chez les anciens. Et on sera banni. Ma soeur, nous devons être très prudents. Mais tu sais qu'Agouzé est mon meilleur ami. Et nous ne pouvons pas l'éviter. J'ai ressenti de la douleur, ça me fait mal. Bien sûr, je sais. Mais tu dois être très très prudent. Je t'ai dit, sois prudent. Ok, Amaka, je sais quoi faire. Je vais apprendre à être prudent. Et en même temps, toi aussi apprends à être prudente, ok? Ok. Tu dois apprendre à être sage, ici dans ce village. Ama? Oui, grand frère. Tu vois, c'est ce genre de fille que je suis en train de chercher. Ça, je savais. Je ne blague pas. Tu as les yeux sur elle. Dis la vérité. Tu as les yeux sur elle. Bien sûr. Je voulais oublier. As-tu entendu? Entendu quoi encore? Entendu quoi encore? Le second roi a été choisi. C'est quoi encore son nom? Tu ne parles pas de Aguata? Aguata, l'enfant de chef Obi. Je n'ai rien à voir avec toutes ces histoires de roi, on doit couronner. Ça ne m'intéresse pas en tout cas. La date a été choisie. Et ça aura lieu au prochain jour du marché. Mais grand frérot, est-ce que tu seras là? Amaka, tu n'es pas sérieuse. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec ces couronnements. Peu importe que ce soit le jour du marché ou après le jour du marché. Grand frère, je n'irai pas là-bas. C'est juste une question. Je t'ai juste demandé. Tu ne dois pas m'embrouiller avec cette histoire de couronnement de n'importe qui. Excuse-moi si je te dérange. Revenons d'ailleurs à notre belle conversation. Pardon, oublie cette discussion, je t'en prie.
Regarde-moi. Amaka va lui parler. Essaye de la convaincre. Pardon. Arrête un peu tout ça, s'il te plaît. Je veux rien lui dire. Va lui parler. Je lui dirai rien, pardon. Hmm? Salut. Allô? Est-ce que c'est Madame Ifeji? Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Vous êtes en train de parler au réceptionniste. Ouais. Votre patronne a connu un accident de circulation. Quoi? Jésus! Jésus-Christ! Oh, mon attends, Dieu. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus! Au côté, j'ai même pu entendre problème, ta voix de là où j'étais là-bas derrière. Oko, hein? Il y a un problème. Hein? Y a-t-il un problème dans cette maison ou bien à l'extérieur? S'il te plaît, je n'arrive pas à comprendre. Ma mère, elle a connu un accident. Ce n'est pas vrai. Je suis finie. Tu as dit qu'elle a connu un accident? Ça me fait mal. Je t'en supplie. Dis-moi d'abord, qui t'a appelé? Je viens de recevoir un appel maintenant. Mais j'espère que ce ne soit pas notre patronne. Et qu'allons-nous faire, madame? Je dois me dépêcher pour l'hôpital maintenant. Je dois partir. Mon Dieu. Mon Dieu. S'il te plaît, vas-y rapidement. Vas éviter que tu arrives là-bas. Eh Dieu, non, s'il te plaît. Dieu veut que ça n'arrive pas. Si quelque chose arrivait à notre patronne, nous serons tous finis. Dieu, s'il te plaît, si quelque chose arrivait à notre patronne, je serai obligé de chercher un autre endroit. Même s'il faut tout prendre, même s'il faut prendre les voitures, la maison, prenez mais qu'il reste en vie. Parce que si ma patronne mourait, ses ventres seront totalement vidés. Et mon salaire, qui pourra me payer? Tu n'as pas toujours fini? Oui, madame. Elle a en effet cédé toutes ses propriétés en un an. Oui. Tu vois, tu n'avais pas que signé les papiers d'adoption ces jours-là. Tu avais aussi signé d'être la totale bénéficiaire à toutes ses propriétés. Et comme je te parle là maintenant, tous les documents des propriétés ici sont tous en ton nom. Et toutes ces propriétés t'appartiennent. Et pour moi, je dirais, essuyons nos larmes et cherchons à nous réjouir. Que son âme repose en paix. Elle était d'ailleurs une très très bonne femme. Que son âme repose en paix. Mais pourquoi ne m'avait-elle pas raconté tout ça? Je pouvais toutefois la protéger. J'aime tellement cette femme. Je le sais. Elle a beaucoup fait pour moi. Mais en tout cas, j'ai pu d'ailleurs te rassurer qu'elle était une très bonne femme. Une très très bonne femme. Que son âme repose en paix. J'aime tellement cette femme. Oui, tu as raison. Tu as vraiment raison. Calme-toi, mais tu sais, c'est vraiment le bon moment pour ça.